Et tout le bordel. J'ai besoin de ces trucs-là. Non. Je veux ça. Ouais, et là il m'en faut 21. Je veux ça. Je veux. Voilà. Bon, au moins ça c'est une bonne chose de fait. La guilde Aldé? La guilde après! Je voulais faire ça. C'était très important à mes yeux. De verrouiller les points positifs. D'ailleurs, en parlant de points positifs que j'ai verrouillés, où est-ce que tu peux voir ce qui s'est passé? C'est là. C'est pas là? Où est-ce que je peux voir le résumé de tout ce qui s'est passé? Hein. Ah, c'est là! Ok, ça a marché. Ah, ça commence à se gorger ce cimetière là. Hein. J'ai la place pour une nouvelle personne. Oh, je sais pas encore qui. Hein. Bon, on va replacer tous ces petits gens par niveau. Quelle mission j'ai envie de faire? Immuniser à la malédiction cramoisie? Tu peux tricher et en choper 4. Comme ça, t'as toujours full anti-cramoisie quand il va. Un petit boss? Est-ce qu'on se ferait pas un petit boss? Le roi des porcs? Non, il faut que j'entraîne mon équipe avant le roi des porcs. Je ferai le roi des porcs avec mon équipe de niveau 1 une fois que je l'aurai entraîné. J'ai envie de persévérer avec Thierry d'Alza, Gibbs, Chap et le roi des bisous. On va les envoyer dans une petite mission. Dans le Wild. Oh, ça c'est une longue mission. Mais qui dit une longue mission dit beaucoup d'XP. Allez. Vous êtes sélectionné pour la tentative de longue mission avec un groupe totalement aléatoire. Ah, ça t'immunise à la mort de la maladie? Où était-ce? Ah! Ah oui, tout de suite, ça fait moi rêver. Ok. Attends, j'ai tout upgrade comme un débile, mais comment je vais l'orienter ce groupe en réalité? T'as quoi comme compétence? Toi, t'as quoi, Gibbs? Comme Heiser. J'ai failli lire autre chose. J'ai failli lire autre chose sur la compétence. Ça m'a un peu surpris au début. Alors, ça peut permettre de marquer une cible et de la tirer. C'est très très efficace contre les ranges. Ça, c'est bien si t'as des stuns dans ton équipe. Mais là, j'en aurais pas avec celle-ci. Ah si, potentiellement avec le paladin. Uppercut. Knockback. Flashbang. Bang. Ça peut faire saigner la cible. Ça peut être bien pour stacker les saignements avec le maître chien et mettre un saignement horrible à la backline. Je vais mettre ça sur Chap. Chap, à qui on va mettre ça du coup? Et le roi des bisous, qu'en est-il? Lèche les plaies. Il peut se soigner lui-même de 4 HP. Peut être intéressant vu que j'aurai pas de véritable healer. Non, parce que lui je le mets en dernier du groupe. Ça peut marquer la cible. Ça c'est un debuff de stress archi nul donc je vais pas le prendre. Ouais, je vais prendre ça. On va voir comment ça passe comme ça. Allez, tu essaies de te caler sur le rythme de Camel? Non, pas du tout. C'est juste un stream nocturne. Arrêtez de... de raconter n'importe quoi. C'est juste un stream nocturne. Il y en a eu un dans le mois. Alors...
Je vais aller voir par là. Boum, 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 boum. Alors, au niveau des trinkets. Au niveau des trinkets, on va lui mettre celui-ci. Attends. Faut que je reprenne tout d'abord. Oh non, j'en ai perdu un. Oh non, parce qu'il est mort. Oh, je l'aimais trop. Oh. Triste. Oh, il a no. Oh non. Oh. Pute. Pute. Pute, c'est dit. Tiens, moins de... Tiens, on va te mettre ça. Mettre ça. Bah, on va te mettre ça. Intéressant. Est-ce que j'ai pas des artefacts à acheter? En vrai, c'est la merde, là. Ah, mais je sais, il me faut les trucs de saignement. Enfin, quelqu'un sur qui ça va servir. Bah oui. On veut que tu saignes les ennemis, toi. Toi. Ainsi que toi. Je sais pas quoi vous mettre, les gars. Ouais, je vais rien vous mettre, je vais vous mettre ça. Voilà. Ok. Par pitié, up la guilde. Je vais le faire. Si je n'ai pas de ressources, je ne peux pas le faire. Donc c'est rien de me l'écrire 30 fois, alors qu'il n'y a pas une seule mission qui a été faite. Mais il est vrai qu'il est temps de up cette putain de merde de guilde. Il nous faut donc des portraits. Il nous faut donc des deeds. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire cette mission-là. À l'attaque! Oh, j'ai failli double-cliquer. Alors... 16 torches... Ça, c'est les os pour le chien. Les pelles. La bouffe. J'ai pas de véritable healer. Les clés. Clés. Et ouais, bah bonne chance. En vrai, tout à l'heure, j'ai perdu 2 level 6 contre la sirène. J'ai failli Alt F4 plus panneau de configuration. Ouais, ce jeu, il fait cet effet-là. Je dois compléter 100% des pièces de combat, donc retour à les check celle-ci tout de suite. Back to the pit. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Parfait. On annihile ces putes pour commencer. Ça fait quoi ça déjà avec le bénite? Je suis devenu un méditator? Très bien. Allez, je vais tenter de check ça. Oh oh. Slow reflex. Merde de merde. Là, je peux faire tac, tac. Ça va, l'architecture du donjon est pas trop ingrate, on va dire. Allez, qu'est-ce que je fais à cette heure-là? Bah, je stream. Tu vois bien, non? Ah. Ils veulent manger. Piège de prix. Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Oh, c'est potentiellement un problème. Et je manque de lumière, dis donc. Tiens, on veut ramener. On la ramène et on la marque. Toi, t'as quoi? T'as du bleed. Ils sont pas résistants au bleed. Bleed. Ah, je me suis fait crit. Ah bah dis donc, lui il en prend des dégâts de stress, hein. Je veux que le maître chien il frappe là.
Je peux lui donner un os, ça fait quoi? Oh! 50% de dégâts en plus! Pendant 3 rounds des... Ouah, putain de merde! Pas mal l'os! Allez, un saignement sur tout ce monde! Fais les saigner, stack les saignements! Oh, let's go! On va les faire saigner, ces petits porcs! Ah bah non. Toi, t'es marqué. À mort! Oh putain de merde! Quand même. J'ai envie d'un peu de lumière et un peu moins de stress. Tous full bleed. Le paladin il va forcément stresser pendant le donjon. J'espère qu'il va réussir son test. Même si j'en doute fortement. Lui il va mourir tranquillement. On va rajouter un bleed sur la dame. Allez, elle meurt toute seule au prochain tour. Nice. Parfait. Et là ça meurt. Eradicated. Ah nice. Des anti-saignements et des anti-venins. J'en aurais besoin dans ce donjon. Oh une salope. Oh let's go. J'ai des clés, rassure-moi, j'ai des clés. Non, ça marche pas. Je crois qu'il y a rien qui marche sur le putain de... Oh oh. Qu'est-ce qu'on veut sacrifier? On veut sacrifier de la nourriture. C'est ici. Let's go, tellement d'or. Bon, écoutez, si on oublie les horribles bruits qu'il y a près de moi, c'est plutôt sympa. Il est sacré bruit là. Ah, l'os il est bien, mais je me sers que de l'attaque de saignement, donc ça l'affecte pas trop au final. On va trade l'os. Je sais même pas s'il faut faire ça en réalité. Je sais même pas si ça influe sur le loot du coffre de... De baisser la torche. Mais bon, dans le doute. Combat. Oh, encore toi, enculé! Vite, faut le marquer. On va commencer par le marquer. Ça va débuff sa protection. Bim! Attaque! Le bleed! Frappe! Attends, mais je l'encule le collector là! Malheureusement, j'ai pas une bonne troupe pour l'atteindre à la fin. Ah, il va voler de la vie! Il a raté! Ah, c'est pas de peau ça! Comment on pourrait tuer ce collector? Il a un saignement sur lui? Pas très résistant au saignement? On pourrait essayer de lui stacker des saignements? Un saignement de plus? Ça peut faire du bleed? Saigner ce collector! C'est bon, il est mort. Il est donné de zo. Tiens, tu sais quoi? On va le finir maintenant. Quoi, il est toujours pas mort? Débuff un peu le stress.
Il le garde, mais ça sert à rien, il est mort. Dès qu'il va jouer, il est fini. Moi, je m'en fous. Allez, joue, collector, joue! Joue, collector! Joue! Arrête de faire jouer tes pupettes! Tu vas jouer, petit enculé? Voilà. Oh! Tellement de thunes! In Radiance, may we find victory. Pièce au trésor. Combat. Trois brigands. Les brigands sont des humains. Le Headhunter a des dégâts bonus contre les humains. On va donc le marquer. Et qui va prendre des dégâts bonus de la part de tout le monde. Et sa protection sera réduite. Et comme ça, les deux Headhunters là, les Bounty Hunters, pardon, vont lui péter la gueule. Saignement de zone. Parfait. Pourquoi t'as frappé le roi des bisous? Ça va pas bien de frapper le roi des bisous? Il va crever lui. Un de dégâts, c'est pas assez. J'ai un bleed. Je veux. Bon, autant le finir. Hein. Ah, je peux pas atteindre la backline. C'est pas grave, on va faire venir la backline. Eh oui! Ah, il va se replacer. Mais tu vas quand même crever, toi. Hein. Le mec avec son chien a l'air broken. Première fois que je le joue, j'ai l'impression qu'il est pas mal. Allez, go clean ça. As the light gains purchase, spirits are lifted. Nice dodge. Ils sont forts pour les humains, les chasseurs de primes. Alors, de l'eau bénite, tu peux la boire. J'ai de la nourriture à gaspiller. On va prendre l'or, dont on va certainement devoir se débarrasser juste après parce que il y a un coffre. Un portrait, c'est pour la guilde. Ça, c'est stackable. Ça, si j'ai de la chance, ça peut potentiellement me rapporter beaucoup plus. Il me reste une clé. Et j'ai aussi des ça. Ah. Cruelle machination. Cruelle machination, que dois-je faire? Encore beaucoup de combats, c'est trop tôt pour utiliser un feu de camp, c'est tellement du gâchis. Ah. Fuck l'or, fuck la clé. De toute façon, avec ça, j'ai déjà suffisamment d'or pour tout le donjon, hein, c'est bon. Pas besoin d'overkill le plus, j'ai besoin de construire la guilde. Et pour la guilde, j'ai besoin de deeds. Deeds qui vont être placés là. Je vais aller ici, je dois compléter 100% des pièces de combat pour ce donjon, c'est ça. Ah, y a peu de chances qu'il désarme en réalité. Balek. Pas de combat. Là va y avoir deux combats. Il y a deux trucs sur la route. Pour ça faut une pelle. Ah non, c'est pas une pelle. Ok, je sais plus ce qu'il fallait. Antipoison et clé du coup. Ah nice, parfait, ça il m'en faut. Clé je peux pas la. Je peux la mettre nulle part. Mais attends, mais si on suit ma logique. Ça peut servir sur une salle au trésor qui. Ouais non fuck. Parfait.
Ok, ça va, le combat il est pas trop vénère. Qu'est-ce que je veux faire? Frapper ce mec là? Ah. Frapper ce mec là. Utiliser les impôts avec le paladin. C'est déprimant de devoir laisser tout ce loot derrière, c'est déprimant hein. Mais bon, t'as pas le choix. Ok, ça clean tout ça. Tiens, mort. Mort, chien, mort. Frappe. Je peux pas l'atteindre. Faut clean un corps du coup. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Oui, j'aille là. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ça baisse sa protection et ça le marque. Ouais. Let's go! Parfait. Tiens, on va ramener ce connard. Oh! On va saigner ces connards. J'ai web deux fois contre The Flesh. Puis j'ai lu qu'il fallait ramener un maître chien et c'est passé comme dans un donjon apprenti. C'est quoi The Flesh? C'est quoi The Flesh, les gars? C'est un boss? Decimated. Allez, ça, ça meurt. C'est un boss. D'accord. Ça commence à manquer de lumière, tout ça. C'est un boss qu'il y a après le prince port. Lui, il fait baisser la lumière. Je le hais. Tiens, ramène-toi. Combien? 3 chances sur 4. Allez, ramène-toi qu'on te fasse ta fête, là, hein. T'aimes ça crier et casser les couilles aux gens? Bah, nique ta mère! Il va mourir du saignement? Non, je pense pas. Un peu de lumière, un peu de morale. Oh. Oh bah ça en fait les artefacts, putain de merde. Oh. Rare, l'anneau du soleil. Plus 10% de dégâts si la torche est supérieure à 75. 5% de 5 de précision si la torche supérieure à 75, mais 10 de stress en plus. Tiens, tu vas prendre ça. Ah. Bon, ça c'est un peu de la merde. Bah désolé, on peut pas tout prendre, hein, y a pas de la place pour tout le monde. Le petit anneau, il est déjà bien sympathique. Je vais aller par ici. Je pense qu'après cette pièce... Tiens, lui, faut qu'il mange un peu pour éviter quelque chose de terrible sur un coup de malchance. Ah, il va check. Ah, c'est le piège. Ah, c'est le poison. Oh, j'ai oublié de activer des torches avant le combat. Bon, c'est pas grave. Il a un point de vie. Ah, go tuer ça, c'est du Tsukuro. Oh. Yes. Le deck qui fait de l'ASMR serait étrange. Ouais, je peux activer les torches en combat, mais là plus besoin. Je vais les activer avant le combat. Je pense que l'ASMR n'est pas pour moi. Sauf si c'est une vidéo troll.
The path is clear. We require only the strength to follow it. Hey, y'a pas de combat dans cette zone? Bah, je vais aller un peu plus loin. Ok, faut qu'il mange un coup. Pour ça, faut un bandage. Tu sais quoi, je vais quand même check. Y'a rien. Là, va falloir une pelle. Nature herself. Et là, si je vais là-bas, il y a deux combats qui m'attendent. Mais mes héros, en soi, ils sont full life et ils ont pas beaucoup de stress. Il reste encore quoi dans le donjon? Allez, je vais quand même en utiliser un, tu sais quoi. Là, j'en ai pas besoin. Ouais, mais c'est peut-être du gâchis. Allez, à l'attaque. Non. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux ramener cette connasse tout de suite. Oui, c'est normal, Vincent Cho. Il y aura une chaîne pour les rodifs qui sera spammée. La chaîne principale sera uniquement pour les best-of. Et autre forme à monter. Parfait. Le grid, ça paye pas? Ah, parfois ça paye salement quand même, hein. Nice, elle meurt. Bon, ça va, sur le combat j'aurais rien perdu, donc je regrette pas. Ils m'ont pas mis un dégât, les cons. Oh, des deeds. Celui-là je peux le stacker, celui-là je peux pas le stacker. Fuck les torches. J'ai des feux de bois pour mon red full, en cas de problème. Et je vais certainement en drop. Oh, let's go, plein de ressources. Allez, à l'attaque. Ouais, faut que je sorte la chaîne Rodif ce week-end idéalement. Il est quel jour? On est samedi? Ouh, Non, en vrai, c'est possible. Non, c'est possible. Elle a cette vidéo en stock, là, je peux la sortir. Ah, le fameux 1 HP. C'est pas grave, ça permet de faire un 2 en 1. Parfait. Ah, dommage. Ça va, il y en aura qu'une. Je l'ai failli la perfecte. En vrai, ça se passe bien, je veux dire. Les combats, je les torche, là. J'ai pris 2 de dégâts. En 2 combats, j'ai pris 3 de dégâts. 3 de dégâts avec le Blight. Allez, on stack ça. Ça, je peux pas. Go ouvrir. Oh, des deeds. Des deeds. Fuck ça. De toute façon, l'or, on s'en fout, on n'est pas là pour l'or. J'ai déjà ça pour l'or. Rien qu'avec ça, j'ai 14 000 pièces d'or, ça va. Je veux des deeds. Un petit grid, les gars? Un petit grid? Une petite pièce de plus? Histoire de rentabiliser un maximum le gain de lumière. Ça va, c'est que des susputes. Pas de problème. C'est comme ça que t'as perdu Kotaï? Ouais, mais regarde la difficulté du donjon, je veux dire. Pour que je perde un héros, là, faut vraiment y aller, hein. Je les ai eu dans la pièce secrète ainsi que sur le collectionneur, Paul Alex. The Collector, c'est le collectionneur? Je crois que c'est ça. Allez. On va buter ça. Le collecteur, ouais, collecteur plutôt. Ah, ils se reproduisent, les petits bâtards. Faut vite les annihiler. Annihile donc ces salauds. Non, j'ai pas retrouvé le mob qui a tué Kotaï pour la vengeance. Ça arrivera plus tard. Nice, Isen, il va mourir tout seul, c'est tranquille. On peut juste jeter des conneries sur des cadavres.
On va marquer des cadavres. J'essaie de faire passer les tours pour que le paladin il puisse jouer. Parce que je veux que le paladin il fasse ça. Ah, dommage. Pour ça, il faut de l'eau bénite que je n'ai pas. Allez, une petite pièce de plus. Oh, let's go. Allez, prochaine pièce. Promis, je campe. C'est la dernière. Des brigands. Pourquoi je tape les cadavres? Pour faire passer les tours. On va très vite le ramener, lui. Et on va très vite lui niquer sa mère. On va taper l'obèse. Quoi qu'il est pas vraiment obèse, hein, c'est plus une force de la nature. Il est très fort. Il est bien dodu, certes, mais puissante constitution. Parfait, 12 tout pile. Les saignements s'accumulent. Vous saignez, monsieur le porc. Oh, c'est des saignements, ça. Allez, ça suffit, monsieur. Vous allez mourir maintenant, hein. Et maintenant il meurt du saignement. Ouais, non, il meurt du chien. Shadow CFR, merci beaucoup pour le sub, mec. Et bienvenue à toi. Merci, j'apprécie. Feu de camp. Feu de camp, on va stocker ça. Pas besoin de manger autant. Allez, on va manger ça. On va stocker ça. Ça se trouve, j'en aurai d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Parfait. Il va bien soigner du stress. Et il va empêcher les embuscades nocturnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Caresser le toutou. Moins 20 de stress. D'accord, c'est très fort dans les combats pré-boss. On pourrait se mettre des petits bandages. En vrai, qui reste ton chien? Allez hop, qui reste ton petit chien. Tiens, mets un bandage sur lui. Mets un bandage sur lui. Et mets un bandage. Hey. Ah, il n'y a plus de bandage. Allez, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise chose. Moins de chances d'être surpris, plus de chances de les surprendre. Allez, comment on fait pour dormir? Alors théoriquement, t'es censé te mettre dans ton lit et essayer de pas trop bouger. Rester dans la même position pendant plusieurs minutes et fermer les yeux. Chose que je vais faire dans pas longtemps. Mais là c'est parfait parce que là d'habitude c'est du temps que je perds à rien faire dans mon lit parce qu'il fait trop chaud et que j'arrive pas à dormir. Et bah là c'est du temps où j'ai fait un petit stream. Où c'est cool. Un petit sneaky stream. Oh merde, un crit. Ah. Ça commence par un dodge. Ça commence mal. Ah, il va faire pleuvoir le fouet. On saigne. Oh yes. C'est exactement ce genre de gros coup de chat dont j'avais besoin. Tiens, t'as de l'auto-heal toi. Ouais, mais c'est plus worth de chercher à les tuer là, je pense. Parfait. Splante ce salaud.
Alors ça, à ça tout seul, ça vaut bien plus que ça. Prendre ça, prendre ça. N'oublions pas qu'on est là pour les deeds et qu'on a déjà assez d'or. Ok, donc la dernière pièce a été faite. Je vais retourner sur mes pas. Je vais pas leur donner à manger parce qu'ils vont certainement avoir faim dans tous les cas. Et du coup, regagner de la vie de manière normale. Salut Nanous. Nanous 74. Il me reste encore 4 de nourriture, de quoi tenir une prochaine faim. Et de quoi donner 2 unités de nourriture à un personnage. Ou faire tout simplement un campement. C'est vrai que la luminosité commence à baisser. Allez, on va aller là. Allez, de la nourriture, des torches. Ce serait vraiment le pot. Des torches. Ça, ça vaut plus. La dernière pelle. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre truc, ce serait vraiment pas de chance. Qu'il y ait un autre obstacle. Tiens, mange donc, mon brave. Ah! Bon, plus de nourriture. Le dernier feu de camp sera certainement pas utilisé du coup. Parce que si j'ai pas de nourriture, ça me laisse stresser de faire un feu de camp. Vu qu'ils auront rien à manger. Et la dernière pièce est ici. Sauf si je drop de la nourriture entre temps. Pas de feu de camp. Stream souvent la nuit pendant l'été? Je sais pas trop. Ça, je sais pas trop. Je saurais pas te répondre, bro. A voir. Je sais pas trop sur quel rythme je vais me caler. En fait, faut que j'arrive à choper la meilleure heure pour passer le moins de temps possible dans mon lit à rien faire. Et en général, en été, j'aime trop dormir vers 5-6 heures du matin parce que c'est l'aube, tu vois, c'est très très tôt la matinée et la température est agréable et ça me permet de m'endormir très rapidement. Possible que l'été, je lâche souvent des sneaky streams nocturnes, ouais. Possible. Il faudrait peut-être que je mette un peu de lumière avec le paladin. Mais on va le buter. Du coup, pas de lumière. Ouh là là, il n'y a plus beaucoup de lumière, là. Ouh là là, on est presque totalement dans le noir. Ça va, le dernier combat est misérable. Ah, je suis totalement dans le noir. Into the dark. The dark of the night of doom. Ah, ils encaissent bien ces cadavres. Ah, il va se cloner. Le petit bâtard, il se clone. Il va faire tout du noir. De la nourriture pour que je puisse camper? De la nourriture dans le coffre peut-être? Ah, pas de nourriture. Bon, c'est pas grave. Je suis fier de vous les gars, très très bonne mission. C'était une grande mission. Plein de ressources, plein d'or. Et plein d'XP pour vous tous. Personne n'est mort, personne n'a pété un câble. Et personne n'est très stressé. GG à tous. Les agents de pestilence vont encore être driven from our woods. Mec, pour une mission de niveau 1, elle m'a rapporté 25 600 pièces d'or, putain. Ah non, très très fier. Très très fier de mes petits là, de mes petits qui sont en train d'apprendre et de gagner de l'expérience. Hop, des ressources qu'on va stacker pour la guilde. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la guilde. Pour upgrade nos héros de haut niveau. Je pense que c'est aussi pour ça que je galère dans les donjons de niveau 5. C'est parce que mes compétences sont que de niveau 3 et pas de niveau 5. Déjà levé aussi LD? Ouais. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui, putain. Je me suis dit, bon, je me réveille à 4h du matin. Là, je viens de faire mon petit footing et de lire mon livre en géopolitique. Et je me suis dit, je vais leur faire un petit stream Darkest Dungeon. Oh, c'est très très bien ça. Ça, c'est pas super. Ça, on s'en fout. Oh.
Allez, parfait. Au niveau du moral, c'est mieux. Au niveau des maladies. Aïe, 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 aïe. Ah non, ça va. Non, ça va. Non, ça va en fait. Je te conseille de bulle d'une banque dès que tu peux, ça peut booster ton argent, c'est fait. Ceci est fait. Alors, ils ont level up. Ça, c'est mes petits. C'est mon groupe de combattants dont je prends soin. Il s'agit de mes petits. Tiens, y'a quelqu'un à recruter? Oh, Kotei! Tu es revenu! Elusive. Tu étais caché depuis tout ce temps, Kotei! Ah, ça fait plaisir que t'aies décidé de revenir. Oh les gars, Kotei est revenu! Accoutez-toi! Je me vénère! C'est pas la décadence. C'est le stream nocturne. Tu l'avais mis de côté, Lul. Peut-être qu'il était pas là parce qu'il avait un point de côté. Alors, prochaine mission pour la guilde. Qu'est-ce qu'il nous faut? 24 portraits, putain de merde. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut bien buff cette... Ça, ce seront nos futurs héros pour le donjon très sombre de l'enfer de la nuit. On veut donc commencer à les clean. On veut commencer à faire un travail de long terme sur ces gens. Leur donner des bons attributs pour ce qui est du mental. Et leur donner... plus de crit. Ça, c'est bien quand même. En plus, ça s'appelle Trindamer. Et c'est le lépreux. On veut lui mettre du crit en plus. Quoi? C'est cher? D'accord. Mais pourtant, j'ai baissé le prix à mort, non? Le prix peut pas être moins cher que ça. C'est tellement cher. Oh! Infirme. Ah, c'est chiant, ça, il reçoit moins de heal. Bah, vous savez quoi, faut investir, hein. Faut payer pour le rendre fort, ce brave homme. Allez. J'investis sur toi, Trindamer. Cher quand même. Ah, quoique c'est peut-être pas le moment de le faire, on va peut-être attendre. Peut-être stacker un peu plus de sous avec la banque avant de faire des gros trucs comme ça. Ouais. Ouais, là je vous avoue que le prix m'a un peu... Ça dépend du level, certes. Donc faut investir dès qu'ils sont jeunes. Faut peut-être investir sur les genoux. Adraitel, on va investir sur toi. T'as quoi qui est cool? Tueur d'humains. Plus de pression et de crit contre les humains, c'est quand même vraiment bien. Ça, c'est de la merde. Plus de dégâts contre les porcs. Ça, c'est quand même vraiment cool. Oh, ça, c'est quand même... Pff, c'est cher. Oh, ça, ça va. Ouais, non, c'est cher. On va attendre. Je me sens pas prêt de me faire enculer, là, tout de suite. J'ai besoin d'une préparation mentale avant de me faire enculer. Je suis pas prêt à lâcher autant d'argent. Faut mettre de l'argent de côté pour plus tard, Aldé. C'est cher. Bon, quelle mission allons-nous faire? Une mission de niveau 1, j'ai envie de continuer de train mes petits. Il faut que 4 d'XP pour passer niveau 3. Attention, parce qu'une fois niveau 3, ils ne pourront plus faire les missions des boss. T'as quand même 36K? C'est rien, 36K. Il me faudrait au moins 200 000 pour que j'accepte de dépenser de l'argent. Est-ce qu'on n'irait pas mettre sa race au port? Il y a des chances que ça fail. Oh, il y a des portraits. Portrait égale guild. Les amis... Vous devez réussir, c'est pour la nation.
Attaquez-vous à l'homme porc. Je prends le risque. Après, je crois que l'homme porc, j'ai un bon groupe pour le faire parce que contre l'homme porc, il faut des marquages et lui péter la gueule et pas taper le petit. Des pelles, des torches, la nourriture, j'ai pas de healer, des clés, on sait jamais, anti-venin, anti-bleed, et même ça. Tous sur le port. Trinket. Trinket avant port. Alors. Toi, tu fais plus de dégâts quand la torche est élevée. Et la torche va être élevée. Et on va te rajouter. Ah, on pourrait te mettre aussi tes saints trucs de paladin. Toi, on va te mettre ça, les dégâts, si la torche est montée. Moins de stress si la torche est montée. Non, un peu plus de vie. On sait pas ce qui peut se passer. Toi, il te faut la pierre de saignement. Qu'est-ce qu'on va te mettre de plus à toi? Tu lis jamais les events à ton retour au village? Certains events, c'est de la bombe. Si, je les lis. Une fois sur trois, mais je les lis. Mais non, c'est vrai que c'est vraiment important. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Oh, beaucoup plus de dégâts. Ah, mais c'est risqué, c'est à double tranchant. Tiens, on va augmenter ta protection, tu sais quoi? Moins de stress, mais moins de speed. Plus de vie, mais moins résistant au coup fatal. Ah, go vitalité, hein. Genre là, c'était quoi cette fois-ci? D'accord. C'était le bzzz de la Crimson Court. Merci d'être là dans cette douce nuit, Aldé. Là, on n'est plus dans la nuit, on est dans le doux matin. Tous les plus grands des Yes Live sont là. Il n'y a absolument que des gens qui viennent de se lever et qui se préparent à faire leur petit footing matinal sur ce stream. Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Allez, à l'attaque. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Oh, yeah, 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 ce sont des hommes porcs mutants. A nameless abomination. Oh wow! A testament to my failures. Où est-ce que ce connard peut-il être? Je vais faire tac 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 en espérant qu'il soit là. J'ai un feu de camp aussi. Homme porc, montre-toi! Plus 30% de dégâts, let's go! Devait y avoir du jus de néant distordu là, celui-là surbuffé. XX Modov, merci beaucoup. Merci pour ton prime, mec, et bienvenue à toi. Kidomarukun, merci. Bonne nuit à toi. Oh, des parchemins. Je vais avoir besoin de mon dictionnaire de Darkest Dungeon. Qu'est-ce que signifient ces parchemins? Qu'est-ce que vous êtes? Il faut les brûler. Les brûler pour purger un attrait, un truc négatif. Oh, il a vraiment des vilains trucs, lui. Infirme et tout. Oh, Gibbs, purifie-toi un coup. D'accord, il a plus la phobie des ruines, c'est déjà ça. Il est forcément en bas à droite, Eldriad, c'est exactement ce que je me dis, c'est pour ça que j'y vais. Je vais aller... Oh, pardon. Je vais aller là et je vais aller là. Bon, en général, le boss se trouve le plus loin possible en termes de cases. Donc théoriquement, il est là. Mais on va voir. Oh mon dieu. Ce groupe de porcs est très énervé. Nice, une esquive. Les tambours de l'enfer.
Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut tuer ce truc-là rapidement. Eradicated. Aïe aïe aïe, c'est le stun. Saigne donc ses pores. Je les massacre ses pores. Après lui il est surbuffé hein. Que vais-je faire? Clean les cadavres. Il y a une appli mobile Wiki Darkest Dungeon. C'est vrai, stylé. Pas de maladie. Pas de maladie. Ok, il essaie de stresser mon paladin. Non, il m'a juste marqué. Mais on s'en fout quand il n'y a plus que ces deux trucs. Meurs. Lovely Keeper. Merci pour ton prime, mec. Merde. Et bienvenue à toi. J'ai mis ce clic. C'est pas grave. Il va le tuer. Quoi? Je dois déjà faire des sacrifices? Antivenin. Mangez. Ceci est mon pain. C'est ce qu'il disait Jésus, non? Ok. Alors théoriquement le boss est là. Allez. Oh, connerie d'araignée. J'ai eu envie de camper pour buffer mais mon paladin a quand même plus 30% de dégâts. Ceci est mon corps qu'il dit? Non, il disait ceci est mon pain. Faut relire la Bible. Mais c'est un petit crit, ça va faire du moral. Attends, mais vous avez vraiment cru à mon troll? Vous êtes vraiment tombé là-dedans? Vous croyez vraiment que je crois que Jésus disait « Tenez, ceci est mon pain » Allons. Je sais qu'il est tard, mais... Monsieur Porc, montre-toi. Oh, ce gros porc. On va lui montrer. Il nous a marqué. Tape le porc. 20 dégâts sur le porc. Marque le porc. Frappe le porc. Saigne le porc. Vous savez que ce boss là, parce que depuis que j'ai repris en fait la campagne que j'ai repris là sur Darkest Dungeon, avant j'avais fait plein de petits tests et je comprenais pas trop le jeu. Et là c'est la première campagne que j'ai fait entièrement en stream et que je fais sérieusement, où je me suis documenté sur le wiki, où j'essaie de trouver les bonnes compositions d'équipe, où j'essaie de mieux comprendre le jeu. Et faut savoir que ce boss là, c'est la toute première fois de ma vie que je l'affronte et que je vais potentiellement le battre. Car à chaque fois que je l'affrontais avant, je pensais que c'était très important de buter ce mec là, parce que quand il te marquait, bah ça foutait la merde et qu'il y avait une trop grosse synergie. Et du coup ce boss là je l'ai jamais vaincu. Absolument jamais vaincu. Alors que là je crois que je vais lui éclater les couilles. Oh. En fait à chaque fois il me permastonnait. Bon là j'ai pris un vilain coup. Faut le tuer plus vite qu'il nous tue. Le saignement qui se stack. Et bim. Ah bah tout de suite. Ah bah tout de suite quand on perd pas du temps à frapper le petit con à côté. Tue pas Gibbs. Let's go. Mort ce petit con. Bah là je l'ai enculé. Mais à chaque fois je... Quoi? Pourquoi t'as pas saigné? Saigne? Tu saignes après toi hein. Et là je lui ai éclaté la merde. Éclaté la merde quoi? Je lui ai éclaté sa mère. C'était un no match. Il y a même pas eu de défi. J'ai step up. J'ai step up les amis. Focus on improve. Là je lui ai laté les couilles. Là on peut le dire les amis, je lui ai laté les couilles. Et là regardez, boum. Regardez, feu de camp. On consomme tout. Histoire de perdre du stress. Comme ça, on va pouvoir les re... Hop. On perd un maximum de stress. Comme
comme ça, hop. On va pouvoir reprendre une mission directe. T'as dodge deux fois aussi. Ouais, mais je pense que ça aurait rien changé, tu vois. Sauf si il remettait un crit sur Gibbs et que Gibbs mourait. Ça pouvait pas rater cette expédition. Oh, excellent truc ça. Permet de grandement résister aux debuffs, mais réduit les chances d'en infliger. Potentiellement un bon artefact sur le croisé si je prends pas le stun. C'était une toute petite mission, tu vois. Mais ça reste cool. Thierry est passé niveau 3. Ah, moins 20% de dégâts sur Gibbs. Faut soigner la maladie. Ouais, encore pareil. Et Gibbs, faut qu'il aille se faire soigner là. Par contre, 20% de dégâts en moins, ça peut pas durer. Médical. Ça nous fait des héros de niveau 3 en plus. J'ai deux héros de niveau 2 pour potentiellement faciliter la première mission de Noobie. C'est quoi, on va prendre? On va prendre deux maîtres chiens. J'ai l'impression que les maîtres chiens, si tu les stacks, c'est pas mal pour stacker les saignements. Je me gourre peut-être, mais j'ai l'impression que c'est bien. Qu'est-ce que je lui ai mis à ça? Ah, je lui ai mis ça que j'utilise absolument jamais. Ah si, quand j'ai des chasseurs de primes avec moi. Et ça, c'est pour garder un allié. Tu te gourres? Je me gourre, les gars? Ah bon? Parce que le saignement, c'est bien quand tu le stacks. Du coup, avoir deux maîtres chiens et stacker cette attaque-là, par exemple. Pour mettre des saignements de baiser aux adversaires très rapidement. Oui, avant, prendre même 4 maîtres chiens, c'était OP, mais ils l'ont nerf. En tous les cas, je vais faire une petite mission de niveau 1. On va prendre Chape, Roi des Bisous, Valouz et Coteille. Coteille à qui on veut mettre les coups de couteau? Le dueliste? On va le remettre comme avant, Coteille. Coteille qui était donc comme ceci. Le bouffon enseignement est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Après, le bouffon, enfin, le seul que j'ai, qui est donc gros bizarre, je m'en sers en finisher avec le final. Et sinon, je m'en sers en classe de soutien. Et je trouve que ça marche bien comme ça. Ouais, une petite mission. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un autre boss? Inchoat Flesh? J'ai jamais fait cette merde. Seulement pour la pilleuse de tombe. Intéressant. Bah écoutez, j'ai envie de tenter. On a Chape et le Roi des Bisous, qui sont tous les deux niveau 2. On va prendre également. Tac, tac. Côté idéalement, les maîtres chiens, ils peuvent être utiles partout. On va les mettre là. Pas oublier de buff les nouveaux. Ils sont fièrement niveau 2. Je vais buff ça. Ça, ça, ça. Et le Roi des Bisous. Et ça aussi. Pour ce qui est de côté Evalouz, on peut pas encore les buff. Là, tout ce que je peux faire, c'est mettre des trinkets. Ok, lui, il a déjà des trinkets que je vais lui mettre. Ah, il a pas de pierre de saignement, lui. Il y en a pas une à acheter, par hasard? Ah. Oh, c'est trop bien sur la Vestale, ça, si tu te sers de ta Vestale en mode Sorakabot. What? Mais what? Si tu spammes juste les soins de groupe, c'est godlike. Moins de stress, 33% de link skill en plus. Elle fait moins de dégâts, mais on s'en fout. Oh, faut réduire le prix. Oh, j'ai réduit le prix au maximum. Investissement, j'achète. Non, j'achète. Ok, ça me dire, allez, tu gueulais pour les trucs à 10 000 psychologues, mais ça t'achète alors que c'est 12 000. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, je le fais. Vous allez faire quoi? Non, mais en vrai, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Je pense vraiment que c'est lourd de ouf. Je pense vraiment que c'est godlike pour me servir de wax en Sorakabot. Du coup. Ah, j'ai pas une...
Ah, je me disais bien qu'il me manquait des trucs. On va mettre ça sur le chasseur de primes. Et on va full augmenter ses dégâts. On veut qu'il cogne dur, chap. Pour ce qui est du roi des bisous, on veut lui mettre ça. Ça et ça, ça c'est toujours un bon petit item à la con. Ça fait plaisir. Et pourquoi pas lui mettre ça? Non, plutôt sur côté ça. Côté, on veut pas qu'il bouge. Du coup, on va te mettre ça. On va te réduire le stress. Et pour ce qui est de côté, on va te mettre ça. Bon, j'ai que des trucs de tankiness sur côté, c'est pas le meilleur, mais. Ok, maintenant au niveau des provisions. Donc, 2 mètres chien. Il n'y a pas de véritable leader, donc je prends toute la nourriture possible. 2 paires de torches. 2 pelles. 2 ça. Et. Allez, 1-1. Ça peut potentiellement sauver la mise s'il se passe des merdes. À l'attaque! Salut Eldred, tu ne joues plus à LoL, j'y ai joué il y a. Il y a. Attends, laissez-moi faire un calcul mental. Il y a 14h. Donc, oui, je ne joue plus à LoL. Je ne joue plus à LoL depuis 14h. Si ça peut répondre à ta question. Pyros64, merci pour le Prime. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble. Et c'était pas glorieux. Ouais, non, j'ai pas kiffé ma session de LoL là. Mais c'est à cause des 2 games par jour. J'ai cette sensation d'être forcé de jouer. Je vais jouer que quand j'ai envie de jouer. Pour que mes streams LoL soient agréables. J'ai pas envie de me pisser dessus. Ça voulait rien dire. Ah, ça on veut surtout pas qu'il ait. C'est un nocturne, on veut pas qu'il ait ça. Non, j'ai pas envie que ce soit forcé, tu vois. En mode, faut faire les 2 games de MMR. De toute façon, j'ai tapé un tchal, genre j'ai plus rien à faire en soi. Autant j'ai joué pour le plaisir maintenant. Et du coup, jouer que quand j'ai envie. Maintenir le MMR, c'était important avant le tchal. Parce qu'il fallait le tchal. Maintenant, je l'ai tapé le tchal. M'en fout de 10 mots. Mais je sais que LoL ça va très vite me manquer, mais là c'était 2 games par jour tout le temps. Genre par exemple quand je faisais une journée Skyrim, à la fin je devais faire mes 2 games de LoL parce que sinon ça allait dire le MMR allait baisser. Oh et puis merde hein, c'est bon. Ça doit rester un jeu sinon c'est désagréable la stream. Oh merde, je l'ai pas mis l'aptitude de zone, quel con. Bon c'est pas grave, il a quand même ça, ça reste bien. On va frapper ça. Ah dommage, j'aurais espéré qu'il tue. On va activer la riposte. Les jeux comme Darkest Dungeon, c'est vraiment l'univers que j'aime bien. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime bien. Dark Fantasy médiéval, là. Avec des bons paladins. Ah là là. Ah là 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 là. Tiens, tue ce truc-là. Let's go, Kotei. Salut Eldin, un conseil pour Rush Jack Jungle? Je pense que rush item attack speed sur Jack Jungle est une connerie. Je pense que tu ne dois pas faire ça. Et que beaucoup de Jacks le font, et à tort. En général, Jack Jungle, quand il est joué à haut niveau, tu fais l'item jungle, enfin, t'achètes un des smites, le raid en général, tu complètes la trini, puis tu complètes ton item jungle en item tank. Et après t'adaptes. Mais rush item attack speed, non, je pense pas que ce soit bien. De 1 t'es trop squishy, de 2 tu délayes ta trinité. Nice, des portraits, c'est ce qu'il faut pour la guilde. Alde, ça t'a jamais tenté? Wow, j'ai testé. Et c'est parce que j'ai testé que je sais que ça me plaît pas trop. Ah, j'ai pas d'herbe. The match is struck.
Après, c'est pas long. Enfin, c'est un univers que j'aime vraiment bien, l'orchestre, mais c'est pas la quintessence de mon univers préféré, tu vois. La quintessence, c'est Diablo 2. Et l'univers des Diablos en général. Ça, c'est vraiment la quintessence pour moi. Qu'est-ce que je pense du build AP de Foghead? C'est intelligent. Moi, je trouve ça bien. Je respecte son build. Joueur que j'aime bien, Foghead d'ailleurs. Dark Souls, ça m'a jamais tenté? Non. Même si c'est l'univers que j'aime bien, c'est... La prise en main du jeu, la caméra, etc. m'attire vraiment pas trop. Après, il faudrait peut-être que je teste par moi-même. Parce que le problème, c'est que de Dark Souls, j'en ai majoritairement, comment dire... une vision via les streams de Sardosh. Et à chaque fois, je le vois mourir, réessayer, mourir, réessayer, mourir, réessayer, mourir, réessayer. Et ça, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et en plus, il run à chaque fois, c'est-à-dire qu'il laisse les mobs. Et moi, j'aime bien clean tout, tu vois. Sauf dans l'orchestre où c'est une connerie, mais... Laisser des mobs derrière moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai besoin de tous les exterminer. Ah, les os, c'est que en combat. Les os, pardon. Fuck ça. Warhammer, meilleur univers, j'aime bien également. Je connais. Mon frère était fan lorsqu'il était ado. Et du coup, je le voyais souvent jouer avec ses copains. Et du coup, je me suis pris pour l'univers. J'avais joué au jeu de stratégie là en temps réel qu'ils avaient fait dans l'univers Warhammer 40 000. Une des anciennes versions, je sais plus comment ça s'appelait. Dawn of War, je crois. J'aimais beaucoup. Bon, comme vous vous en doutez, j'étais un main Space Marines. Ah là, ces paladins du futur en armure lourde, quel homme! Allez, go buter ça. En plus, ils sont tous tanky les Space Marines. Ça me parle ça. Saigne ce porc. Non, tire sur ce porc! Si tu veux game, je suis ton homme. Sur Dawn of War, tu parles? Such a terrible assault cannot be left unanswered. En fait, moi j'aime bien les jeux. Bah, le RPG là et quoi, principalement. Univers médiéval fantastique. Idéalement Dark Fantasy. Ou. T'upgrade un héros de fou et finit par devenir surpuissant. Des hack and slash, quoi. C'est ce que je préfère. Trop bien de passer des heures à farmer son perso et Alteroicraft et de voir sa progression, c'est trop satisfaisant. Alors, on peut stacker ça... En vrai, j'ai aucun mob qui m'inflige des saignements. Hein. Après, peut-être que je vais regretter pour le boss que je vais affronter, que je n'ai jamais affronté, je sais même pas à quoi il ressemble. Mais on verra. On a un scouting de toutes ces pièces, donc théoriquement il est là. Là je pourrais tenter un petit coup de poker. Genre je vais faire ça. Pas stackable? Ah, j'ai pas pour stacker ça. Bah, j'aurais pas besoin de toutes ces torches de toute matière. J'aurais ni besoin de toute cette nourriture. Et là regardez les gars. Là j'utilise mon campement, même si tout le monde est full life. Pourquoi? Pour baisser le stress de tout le monde avant le combat final. Et surtout pour se mettre des compétences pour se buffer avant le combat final. Plus de chances de surprendre l'adversaire. Et prévenir les embuscades nocturnes. Donc là on pourrait faire ça pour pas se faire embusquer dès la nuit. Et là on pourrait utiliser des compétences pour être plus fort pour le combat qui arrive. Donc ça lui donne 25% de dégâts en plus et 15 de précision en plus si la cible fait plus de 2 de taille. Donc elle prend plus de 2 cases. Vu que c'est un boss, elle va certainement prendre plus de 2 cases. Donc j'imagine que c'est extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour se buffer? Rien d'autre? Rien que pour ça, c'est déjà bien. Hein. Moi, ça me va quand même.
On pourrait faire des petits buffs de morale par-ci par-là. Allez, tu vas encourager ce chap. Inutile. Bah, je pense que c'est bien, non? Ça m'augmente pas mal mes dégâts. Si elle fait plus de deux cases. Ah, c'est que... Ah d'accord, je croyais que c'était contre taille 2 et plus. Ah non, c'est que contre les tailles 2. Ah, voilà qui est moins bien. Faut que je replace ma team également. Mince. Quand tu dis wow, qu'as-tu fait dans le jeu? Pas grand chose, j'ai du geek dessus pendant une semaine, mais j'ai pas eu le feeling, tu vois. Et en général, un jeu, tu sais vite quand il plaît ou quand il plaît pas. Bon, après, c'était il y a longtemps, il y a eu beaucoup de changements entre temps, mais franchement, comme je dis toujours, me mettre à WoW en 2018, alors que je joue déjà à énormément de jeux chronophages, pas tenter. Pas tenté. Je suis en mode c'est trop tard. En vrai, ce serait un peu comme se mettre à LOL maintenant. Je veux dire, pour un nouveau joueur, là, ça doit être très dur. On aura les ossements pour le combat final. Je vais dégager ça. T'as déjà joué au Sacred le 2, ouais. Quand j'étais ado. Il y aura certainement pas besoin de ça et ça. Hein. Allez, à l'attaque. C'est pour le boss. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Contorting and ever expanding. This horror must be unmade. Ah ouais. Alors, Darkest Dungeon a un univers très néant distordu, dégueulasse. Mais là, là on a atteint un sommet. J'avais jamais vu un tel tas de merde de ma vie. Attends, mais il y en a 4 au final? Attends, je comprends pas, je peux frapper 4 parties différentes? Ou alors c'est juste que... Je sais pas, attends, vas-y, tape la... What? Je sais pas, frappe ça. Qu'est-ce que c'est que cette eau? Ah ouais, là, ils ont battu des records de dégueulasserie. Je vais essayer de focus la même partie. Nice, enseignement. Je peux frapper plusieurs parties différentes. Mais à quoi ça sert au final? Autant frapper dans le même truc? Ouais, je sais pas. Activer la riposte. Tiens. Ah d'accord. Ah non, d'accord, toi t'as plus de protection. Attends, mais ça c'est très fort alors. S'ils se mettent tous à saigner, ils vont tous prendre des dégâts dans leur barre de vie commune. Quoi? D'accord, ils transforment des têtes. Ils se transforment en parties plus puissantes. Ok, donc là, ce que je veux, c'est quoi? C'est... Ils ont pas mal de protection. Je peux déplacer les parties? Genre ça, le faire venir là? Non? Je pense qu'on peut pas. Je pense qu'on va éviter de faire ça. On va croquer dans les parties faibles et infliger des saignements lourds aux parties faibles. Ah ouais, c'est vraiment le dégoût là. Il se heal quand il fait ça? Non. 200% mouvement résiste. Ah oui, je suis con, j'avais pas regardé. J'aurais dû regarder avant. Bah, je pense qu'on lui mettre des gros saignements de zone, hein, c'est le mieux. Ah ouais! Mais ça le counter trop en fait, il est complètement baisé contre les saignements de zone. Bah écoute. C'est quoi ça?
Les croquettes pour les chiens, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Aïe, j'ai mis play là. Tiens, frappe ça, let's go, un crit. Ah, il est totalement counter par le saignement ce mob là, c'est une certitude. Enfin, par le saignement. Ouais. Par le saignement de zone en tout cas. Ah oui. Faut pas que le combat est dur, ça c'est un peu vénère ça. Tiens, mange. Croque. Bon, je pense que j'avais un groupe adapté. Je pense que si le combat dure et que t'as pas un groupe adapté, c'est vraiment horrible. Mais là, j'avais un groupe adapté, je lui ai laté les couilles. Bah parfait. Parfait. On retourne à la maison. Un artefact très rare. Des portraits pour la guilde. De l'or. C'est en facile, en hard, il est un 5 APV qui fait vraiment mal. En hard, tu veux dire facile, c'est mission de niveau 1. C'est ça que tu veux dire? Medium 3 et hard 5. Ah là 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 là, faut soigner. Ça, on s'en fout, c'est un mauvais soigneur. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant mieux. Oh, 10% de protection, plus résistant au saignement. Le jeu sur 10? Moi, franchement, je lui donne 10. Mais j'adore le jeu, alors je suis pas objectif. Mais moi je lui donne 10 sans aucune hésitation. Je trouve que dans sa catégorie, godlike. Dans sa catégorie jeu tour par tour, dans ce délire là, vraiment vraiment très très bien. Allez, ça va méditer un peu, il y a un peu de stress qui s'accumule quand même. Je commence à... Est-ce que j'ai pas moyen d'upgrade la guilde? 24 il faut. 60 de ça. Ce que je veux de toute façon, c'est uniquement ces ressources là pour la guilde. Donc ça pour le moment je peux me permettre de les sacrifier. Il me faut combien de ça pour faire un portrait? Ok. Et au niveau des deeds, 3 égale 1 également. Bah let's go. Un niveau de plus dans la guilde. Ah. Voilà qui est plus sérieux. Plus qu'un. Pour tous les messages qui me demandaient désespérément d'upgrade la guilde, je m'en charge. C'est en cours. On va en profiter pour investir sur Trindamer. Sur Alderiat. Sur Wax et sur Kameto. Voilà. Formation pour les héros de haut level. On commence à investir dessus, on commence à payer, mais pas trop non plus. Genre, je vais pas commencer à acheter leur truc de. Leur. Vous voyez de quoi je parle? Leur. Truc manteau là. Bonne nuit, derrière dit pas Trindamer, ça me rend fou. Ça te rend fou quand je dis Trindamer? Il t'en faut pas beaucoup. Mountain Blade, n'en jamais essayé. Mais Kamel m'en avait beaucoup parlé. Alors, mon groupe de niveau 1. On va replacer par niveau. Bon, j'ai tout simplement pas de quoi faire un groupe de niveau 1. Et il y en a deux qui sont en train de se reposer. Le roi des bisous. Qui est passé niveau 3 du coup. Chap. Qui est passé niveau 3 également. Très bien, LFA, très bien, c'est très bien. Alors, ah les ruines, j'adore les ruines. Pour le Manatarm. Une game de Heroes demain? Il me faut des joueurs pour faire des games de Heroes et beaucoup de temps devant moi. En général, les games de Heroes sont prévenus longtemps à l'avance. Et si on n'a pas qui a été annoncé demain, c'est qu'il n'y en a pas demain. Mais semaine prochaine, il y aura moyen parce que Gob, je crois qu'il sera plus dans sa famille. Et Gob il adore le jeu et il voulait se faire des games avec moi. Donc s'il est dispo semaine prochaine, il y aura moyen de se faire des trucs. Attends, qu'est-ce qu'il fait?
Ok, intéressant. Tu vas faire du Heroes avec Aipierre, pourquoi pas? Alors, mission de niveau 3. J'ai le choix entre une mission de niveau 3 et une mission de niveau 5. C'est pour tuer un prophète. Le prophète, c'est celui qui est planqué. Oh! Est-ce qu'on n'irait pas purifier cet enfant de putain? C'est une réelle question que je vous pose. Est-ce qu'il n'est pas le temps de purifier un enfant de putain? Purification enclenchée. On va les purifier, salauds. Ah, j'adore ce groupe. Est-ce que je peux les upgrade? Oh que oui, je peux les upgrade. Allez, hein. J'ai investi sur vous, les croisés. Vous n'avez pas intérêt à me décevoir. Mais bon, vous êtes des croisés, du coup, je sais que vous n'allez pas me décevoir. Amaury, je te mets une bonne petite cagnotte. Coûte cher, la guilde. Et j'ai réduit le prix au max. Nous avons besoin d'or. J'avais prévu Colloc versus Solar Merde, ce héros, sur dimanche. Ouais, mais en fait, Wax, il peut pas. Il est pas dispo. Oh. Plus d'argent. Nous n'avons plus d'argent. Plus d'argent. Nous n'avons plus d'argent. Vendre. Ça, je m'en sers jamais. Ça également. Ça, c'est pour l'abomination. Ah, c'est pour Kradouk. Ouais, mais Kradouk, c'est pas pour tout de suite. Vous savez quoi? Fuck Kradouk. Puis Kradouk, quelque part, il est banni. Donc il restera à sa place et il fermera sa gueule. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça les deux. Ça, on s'en bat les couilles, c'est de la merdasse. Ça, je m'en sers absolument jamais. Ok. C'est bon, nous avons un petit peu d'argent à nouveau. Ouais, mais j'ai mieux, j'ai cette version-là si je veux moins le stress. Fuck. Et ça, je l'aime bien, mais je trouve que ça, c'est tout simplement mieux, en fait. Moi, résistant au coup fatal, c'est quand même terrible. Fuck. Et ça, je m'en sers... Fuck. Et ça, occultiste only. Fuck l'occultiste. Et ça, nul. Voilà un petit peu d'argent. Oh, j'ai 18 000. Mais revoilà riche. Bon, je vais préparer l'expédition et je vais aller pisser. Ah, cancel, cancel. Nous avons besoin de trinket. Tiens, prends ça. Oh oui, les fameux, le fameux item pour la Soraka. Boum. Et on va le combiner avec ça. Boum. 58% de healing skill. Je sais pas si vous vous rendez compte des heals qu'elle va mettre, hein. Mais ça va être un truc de malade. Un peu plus de vie, un peu plus de vie. Qu'est-ce qu'on va te mettre d'autre? Plus de dégâts si la torche est élevée. On aura forcément de la torche avec ce groupe. Et... moins de stress, écoute, ça fait jamais de mal, hein. Ça s'additionne pas comme ça, si? Ah bon? Bah dites-moi si ça s'additionne comment alors. Mais je crois que toi-même tu sais pas. Alors hop. On n'est jamais trop prudent. Non 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 non. Et on va prendre un peu moins de torches. Mais on va prendre deux clés. Il peut nous cracher du venin dessus. On va prendre ça pour le combat contre le prophète. Donc du coup, on va y aller. Je vais pisser. A tout de suite. How had he survived the stockades, the icy waters, and the knives I delivered so enthusiastically into his back? How had he returned time and time again to rouse the town folk with his wild speculations and prophecies?
Pour les gens. Allez, à l'attaque. Alors, il est là. Ouais, il est là. Il est là, je pense qu'il est là. Oh, j'ai oublié les pelles. Non, sa mère l'énorme chienne. Bon bah tant pis hein. Va falloir faire avec hein. Putain, j'ai oublié de reprendre. Ah bah ils devront tous aller chez le médecin psychologiste après. Le médecin psychologiste. Le psychologue. Bon, faut prier pour que je trouve des pelles ou que j'ai de la chance et que je drop pas beaucoup de trucs comme ça. Raven Bear NL. Raven Bear NLB. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi, mec. Et merci beaucoup pour ton abo. Toi, t'es une healeuse de zone. Ouais, non, c'est vraiment pour qu'elle spamme ça en boucle. Hein. Oh, ce sont des très bons artefacts, dites-moi. Ouh là 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 là. Allez, on clean cette merde, hein. Toi, tu fais que ça. Au minimum, elle me met 7 à tout le monde. Sa mère, c'est trop fort. Oh merde, j'ai pas tapé le bon. Bah, il aurait fallu le dégager un moment ou un autre, c'est pas si grave. Non, ça va, c'est pas grave en fait. Ils sont badass les Crusaders, je les adore. En vrai, si... je pense que si les Crusaders existaient pas, je sais même pas si je jouerais au jeu. Mais vu qu'il y a les Crusaders, j'adore ce jeu 10 sur 10. What the fuck, t'es là depuis 15h30? Non, j'ai relancé un live nocturne parce que j'arrivais pas à dormir à cause de la chaleur. Un petit heal? Un petit dé de l'anti-stress? Un petit heal? Allez, on va profiter pour se buffer un peu le moral à cause des pierres. Hein. On va très vite te réparer cet affront. Tiens, frappe et heal, 1 HP. Allez, go le finir ce con. Parfait, parfait. C'est par ici. Wax Tigger, non c'est pas Wax, c'est Amori. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai envie de te dire, j'ai tellement de heal, je suis pas inquiet. Attends, mais j'ai pris toute la nourriture possible en plus. J'ai bien trop de nourriture. Il faut la manger cette nourriture. Nice, encore une pièce avec un coffre. Et j'ai la surprise sur eux. On veut faire des attaques de zone afin de taper le squelette qui est camouflé. Tout le monde est full life donc bon. Parfait! Lorsque l'unité de stress meurt instant. Alderial, pour les bonus de heal dont je te parlais tout à l'heure, j'ai donc un peu, il se trouve que c'est pas censé s'additionner logiquement, mais dans le jeu ça marche comme ça pour simplifier les calculs, donc tous les pourcentages s'ajoutent ou se soustraient simplement. Bah c'est bien ce que j'ai remarqué vu les heals de bâtard que je me mettais. Et merci pour la précision. Faut dormir Adrien, c'est pas sérieux. Ah si, c'est sérieux. Je suis streamer. Donc là, théoriquement, je suis en train de travailler. Et voilà. Je fais des heures sup, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est très sérieux au contraire. Ah, attendez, j'ai un SMS. Je viens de recevoir un SMS. Maman. Coucou Adrien, je suis fier de voir que tu travailles autant, ça fait plaisir. Ah bah. Merci maman. Alors, on va... Hop! Et on va le finir. As the light gains purchase,
Allez, on va check ça. Réveille pas Kamel. Kamel, il dort pas là. Il est encore en stream, je pense. Pas besoin d'aller là. Il est là. Allez, hop, ça mange. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, allez, on va lui mettre un peu de dégâts. Salut Dohap. Ah merde, les stresseurs. Faut que les lances tuent le stresseur rapidement. Tuez le stresseur. Touchez le stresseur, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de chance de le toucher quand même. Oh, let's go. Ouf. On a besoin d'un gigail là. 13, c'est pas mal. 3 HP. Ah, du coup il aura le temps de faire ça. Ok, personne n'a été stun. On va l'endommager. On va heal de zone. J'aurais peut-être dû finir celui-là. Oh, c'est bon, c'est fait. Ouais, je connais Grimdawn. Mais il m'a jamais trop plu. Dans le même genre, je préfère Path of Exile. Hop. Hop. The Virtue. Alors, j'ai besoin d'un dictionnaire. Dictionnaire. Dictionnaire des ruines. Ça, c'est quoi ça déjà? Ah d'accord, tu peux rien utiliser. C'est le sarcophage. Mais sur celui-là, tu peux rien utiliser. Torchlight, oui, je connais également. Oh, pas de chance. Thanatophobia. Bon, ça veut dire qu'il a peur de la mort, donc il commence à être stressé quand il est low life. Mais théoriquement, avec ce groupe, ça arrivera pas. Les races de PoE? Je suis pas un grand fan des races. Enfin, race, t'entends bien les événements spéciaux qu'ils font où t'as une guerre entre streamers et c'est celui qui doit aller le plus vite à tel endroit, machin là. Ouais, j'avais regardé un peu, c'est pas trop mon délire. J'aime beaucoup faire les débuts de saison, moi, sur PoE. Faut de l'eau bénite pour ça. Je crois. Oui, c'est bien ça. Oh! Alors. De quoi on se débarrasse? C'est bon, je vois assez de nourriture. Buvez! La clé... Bon, ça je le prends, c'est sûr, c'est 1200 pièces d'or. Ça c'est 750. Donc c'est mieux que ça. Et la clé... Ouais, non, l'artefact je peux le vendre. Je pense que le plus rentable c'est de faire ça, ouais. The match is struck. A blazing star is born. Ah, un test de scout. Je sais qu'il y a un truc ici, donc je veux l'éviter. Il y a un piège par terre. Qui est fort? Personne n'est fort pour désarmer les pièges dans ce groupe. Bah bonne chance, hein. Oh la chance! Si ça marchait pas... Tiens, on va te buff. Plus 20% de dégâts jusqu'au camp. Ok, Ghoul et Abdul. Ça va, ça ira. On va... Abdouler ce mec-là. T'as pas la classe Abomination? Si, c'est Kradouk. Mais je l'ai pas encore joué.
L'idée de jouer une abomination me plaît pas trop. Si vous me suivez un peu, vous voyez que c'est pas trop le genre, pas trop mon genre de personnage, l'abomination. Je suis plus dans la lumière, moi. Their formation is broken. Maintain the offensive. On va les abdouler, hein. Compassion is a rare pitch of battle. Je le savais. Il crie très souvent sur cette attaque. C'est pas surprenant en réalité. Nice, parfait, ça rend ma technique tout à fait worse. Là, je veux pas le tuer. Je veux que Jill joue et qu'elle puisse se heal. Je veux l'endommager mais pas le tuer, parfait. Jill, soigne-toi. Voilà, et maintenant je le tue. En espérant qu'il fasse pas un truc chiant. Ah bah il jouera pas. Ouais, la voix du narrateur. Pour moi, la voix du narrateur fait partie du succès du jeu, hein, clairement. Elle est mythique. Tout le monde connaît les... Tous les joueurs de Darkest Dungeon connaissent les répliques par cœur. Y a trop de mèmes autour de ça, c'est... Non, clairement, ça fait le taf. Oh non, il faut les mettre de l'eau bénite. Ah, j'en avais plus de toute manière. Oh, nice, la chance. Nice, il a perdu la thanatophobia. On va tenter avec... avec lui. Oh, la chance. Nice. Je me disais, c'est le combat avant le boss, je veux un petit groupe de merde. Et qu'est-ce qu'on a? Un petit groupe de merde. Tiens, soigne-toi et fais mal. Another one falls. Back to the... Parfait, c'est exactement ce genre de petit combat à la con que je voulais. Alors, j'aurais plus besoin de torches vu que ça va être le dernier combat. Aïe, le choix va quand même... Dans tous les cas, le choix va être compliqué, là. La nourriture pourra me servir pour faire un campement après le combat pour déstresser tout le monde. Les torches, ça dégage. Le campement, j'en aurai besoin. Les antivenins seront peut-être utiles si le combat dure un peu trop. Je veux ces trois trucs. Allez. Là, faut que je replace. Faut que je replace parce que il est en dernière position. Donc, je veux que mon mec qui conne le plus dur soit ici pour utiliser la lance contre lui. Elle, je veux qu'elle soit en deuxième position pour quand même pouvoir spammer les heals de zone. Elle peut en troisième position. Enfin, en deuxième position du coup. Et lui, il tapera le bois. Toi, t'as des artefacts de tankiness. Donc, c'est toi qui vas aller taper le bois. Et toi, tu vas taper Abdul. Ouais, allez, bonne chance. The madman hides there, behind the pews, spouting his mindless drivel. Bah, spam les heals, hein. T'as vraiment rien d'autre à faire. Allez, montre-lui à ses bouts de bois. Ok, c'est pour ça que j'ai pris des antivenins. Là, pour le moment, ça va, c'est tolérable. Faut voir si ça se cumule. Si ça se cumule, j'utiliserai des antivenins. Ok, j'ai pu mettre des bons dégâts. Ah, j'ai pris des énormes dégâts également. Après, peut-être que mon groupe est pas assez adapté et que ça va pas passer. On va voir. On va voir. Je peux quand même lui mettre des bons dégâts à chaque round, mais regardez... Aïe 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 aïe. Ok, antivenin, antivenin. Toi tu frappes le bois. Et le level 3 il est très fort, ouais. Ouais. Y'a moyen que ça passe pas. En vrai, faudrait que j'ai un petit crit. Faudrait que j'ai un peu de chance. Aïe 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 aïe, c'est la merde. Ok, si le healer meurt, c'est la merde. Ok, donc c'est lui.
Faut frapper. Y a pas le choix. En vrai, on sait jamais. Ça se trouve, il va faire une attaque de poison et le 1 point de vie va suffire à la sauver. Eh, smart, non? Pas si con, non? Après, ça se trouve, elle va mourir du poison, mais j'espère pas. Pas si con, non? Non, ça devrait passer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Frappe la planche. Allez, on va. Quelque part, j'ai envie de prendre ça, mais. J'ai pas envie de déconner. Oh. Oh. Plus besoin de ça. Ça vaut pas si cher en fait. Bon, c'est des trucs communs. Allez les enfants. On dort. On dort, on perd du stress. Miam miam miam. Allez hop, ça perd du stress. Mortality debuff. Ah merde. Bah. Ah, c'est que pour les putains de compagnons. Ah bah j'ai troll. Bon tant pis, c'est pas si grave. Est-ce que j'ai un autre encourage? Alors, lui il aura pas besoin de médecin. Eux deux on va les envoyer, donc du coup on veut baisser au maximum celui-ci. Voilà, comme ça eux ils seront full et eux ils iront chez le psy. Une fière réussite. Pas mal d'or, mais surtout pas mal de heirlooms. Adrien, tu es addict, il faut songer à dormir maintenant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alde, you need an intervention? C'est donc un anglais sur le chat. Enfin, un anglophone. Je suis pas sûr de ce qu'il voulait me dire. Oh, Eldritch Slayer, let's go, Louis VII! A fresh irritant, the sum. A sanguine memory to me. Adrien, lis-moi enfin. Alde, ça peut être sympa si tu joues Crimson Court, tes héros se contaminent entre eux, mais si tu gères bien la gestion de la maladie du sang, ça peut se faire. Surtout qu'en phase terminale, le buff possède une machin vraiment OP. Ouais mais non. Naronim, je le ferai en dernier quoi qu'il arrive, car j'ai trop peur de tout ruiner. Je ne l'ai jamais fait, et j'ai trop peur de tout casser. Crimson Court, ce sera en dernier. Désolé de te décevoir. Alors, eux deux, fallait. Petite prière. Petite méditation. Et Color of Madness. Oh, dès que j'ai envie de le faire, c'est cool d'en faire, je trouve, du Color of Madness. Qu'est-ce que tu racontes, Whiskey Boy? Ouais, je sais, Kenor FR. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Il me faut quoi? 33 portraits, ça va être dur, hein. Mais c'est important, c'est la guilde, il faut le faire.
Oh, wow, 9% de crit pour le Jester. C'est vrai que c'est très important que Monsieur Korobizarre mette des crits sur son final. On en a besoin de ces fameux crits. Économise, la banque sera plus efficace, c'est bien vrai ça. Attends, mais je comprends pas. Ah d'accord, c'est bien ce que je me disais, j'ai deux plans. Est-ce que j'ai des artefacts à vendre dont je me sers pas? Non. Ils sont tous potentiellement utiles. Bon, qu'est-ce que je vais faire comme petite mission? Ça, j'ai jamais affronté, hein. Et ça donne un artefact très rare. Mission de niveau 1. J'ai plus que ça en héros de niveau 1. Ouais, go tenter, non? Comment je pourrais les répartir? Côté idéalement ici, pour faire tac-tac. Gibbs. Gibbs, on peut le laisser là. Il a la compétence pour marquer les cibles? C'est ça la compétence pour marquer les cibles? Non, il l'a pas. C'est Valouz. Valouz qui est niveau 1. On peut donc l'upgrade. Le auto-heal peut être sympa. Et ça, ça peut sauver également. Je vais le laisser comme ça. Ah non! Ça, je veux pas. Oui, c'est ça que je veux. Ok, donc c'est bon. Au niveau de Gibbs. Gibbs, est-ce qu'on peut l'upgrade? Il est déjà upgrade? Il est déjà upgrade. Kotei. Kotei, on peut l'upgrade. Shodaim, ça va être sa première mission, donc pas possible. Ok. Et Chocho, t'as quoi comme compétence? Peut-être plutôt te mettre en rang 3, Chocho. Toi, t'es utile partout. Alors que toi, ça va. Tu... Ah, dommage, tu peux pas faire ça. Mais la majorité, tu peux faire en troisième position. Bon, c'est ta première... Ouais. Ça, ça le fait avancer. Mais Kotei, il peut utiliser ça en position 3. On va le laisser comme ça pour le moment, Chocho. Gibbs. On va lui mettre des trucs de cogne dur. Hein. On veut que Gibbs, il cogne fort. C'est le héros le plus fort de l'équipe. Ça c'est Kotei. Ah, j'ai pas d'augmentation de dégâts pour Kotei. Attends, je vais aller check la nomade. Ça se trouve, elle a un artefact OP. Qui sait? Ah, ouais. Non, y'a rien qui fait rêver. Je vais me permettre d'acheter ça parce que de toute manière, le temps que j'ai 33 portraits, j'aurai le temps de redropper ça. Ouais. Terrain Wax. Merci pour le sub, mec. Et bienvenue à toi. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah, il fait tellement plus mal, mais... Attends, du coup, je pourrais peut-être faire ça. Et pour compenser, je mets ça. Comme ça, c'est juste moins 10% HP. Et 25% de dégâts en plus. Chouchou, on va juste lui mettre ça. C'est un débutant. Ça, c'est pour le bleed. Et on va lui mettre ça également. Ok, ça me semble ok comme groupe. Alors, expédition médium. On va pas oublier de PL cette fois-ci. Pas de véritable leader, donc toute la nourriture possible. Les os pour les chiens, on va les garder. Deux clés, on sait jamais. 16 torches. Et je m'apprête à aller dans le wild. Donc bandage et ça. Ouais, ça me semble bien. C'est parti. Simple folk,
are by their nature loquacious. The denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, taboos ire, and demonstrations were held in the town square. Okay. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the Ce boss, il faut qu'il les trash mob et il fait plus rien. Je suis pas sûr d'avoir compris. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est là. L'architecture du donjon est assez claire. Il va pas être là. Il est censé être le plus loin de toi, le plus loin possible de toi, le boss. Donc il est là. Donc on va là. Pour ça, faut une pelle. Après craquer une pelle maintenant. Ah, le grid. Il faut tuer le mec qui allume le canon. En gros, le reste aux F. Très bien. Oh putain, c'est un peu vénère comme première XP, un truc. Ça, ça fait plus mal contre les humains. Tu es un humain. Il te reste un HP. On va activer la riposte et te tuer. Press this advantage. Give them no quarter. Ça, ça le fait avancer. Poison est pas très efficace. On va faire ça. Masterfully executed. Chocho, tu fais une très bonne première impression là. On va faire en sorte qu'il joue pas saignement. Ah, c'est que 1, il aura le temps de jouer malheureusement. Parfait. Ah. Oh. Ok, Gibbs souffre d'un saignement. Tiens, fais saigner ça. C'est un vilain saignement que ça met quand même. On pourrait... Ce truc là va mourir tout seul et faire... Vaut mieux que je tape le corps, parce que lui, si je le laisse mourir du saignement, il va laisser sa place, tu vois. Il va pas faire de cadavre. On va endommager ça. Allez, Kotei, let's go. Et lui va mourir du saignement, et du coup lui revient au bon endroit. Ça va crever. J'ai stream à partir de quand? J'ai lancé à quoi, 2h du matin? Pour ce stream nocturne? Quelque chose comme ça, ouais. Non, ça va, c'est que 2 de dégâts. Combat. Deeds, combat. Ok, il y a 3 combats qui m'attendent là quand même. Ah, ce groupe là il peut être potentiellement très vénère. Oh putain, bon ça va. Ça commence bien. Ça commence plutôt bien. Replacer, c'est même pas si important en vrai. Que lui soit là ou que elle soit là, ça change rien. Pas très résistant au... Ouais non, on va acheter ce truc. Oh. Parfait, ça cligne le corps vu que c'est un crit. Et la riposte est activée. Et ça frappe le mec qui est la riposte. C'est parfait. Go buter ce mec là avant qu'il joue. Bon bah au final, tranquille hein. Combat s'est bien passé. Ça, il y a très peu de chances que j'ai un teint de lago suffisamment gros pour surpasser un teint de 1750 pièces d'or. Ouais, bon allez, je vais les replacer. Si en vrai ça change absolument rien.
Hop. Pas de combat. Là va y avoir un combat, puis un autre combat. Allez, un petit combat de merde. Parfait. C'est exactement ce que j'entends par petit combat de merde. C'est exactement ce que j'entends. As victories mount, so too will resistance. Ça manque un peu de lumière. Aha! Les unités de stress! Ouais! Nick! Riposte activée. Ah, dommage. Parfait, ça dodge. Lui, il a pas joué. Ah, dommage. Je veux pas qu'elle joue, elle. Nice. 1 HP. On va essayer de. On va taper dans le tas. Lui, il va mourir du saignement. Donc lui, idéalement, je veux pas le toucher. Voilà, parfait. Parfait. Ça découpe dur, quand même. Je veux dire, ça découpe dur, quand même. Shodem commence à être un peu stressé. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. A dizzying fall. Tiens, check donc. Let's go. Bah, pile ce qu'il nous fallait. Shodem sera beaucoup moins stressé dans... Bah là où je suis, dans le wild. Qu'est-ce que je pense, une nécro 55 HP? Attends, c'est une référence à Guild Wars 1, ça, non? C'était pas plutôt le moine 55 HP? Vous allez vous coucher, les gens? C'était sympa, stream improvisé? Bah, bonne nuit, mec, et merci à toi. Ah, il faut que celui-ci... Une emote crits. Ouais. J'avoue, ça pourrait bien passer sur mon stream. Non, Aldo, tu vas avoir un mauvais rythme et perdre le contrôle. Bah, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que là, tous les derniers jours qui sont passés, genre ça fait, allez, facilement 10 jours que c'est comme ça, que je m'endors à 6h du matin et je me réveille à entre 10h et midi, tu vois. Parce qu'avant, je n'arrive pas à dormir vu qu'il fait trop chaud. C'est juste qu'avant... je passais mon temps à gigoter dans mon lit en espérant m'endormir et ça marchait jamais avant 5-6 heures du mat. Donc là, je me suis dit, plutôt que de rien faire, je vais stream. Donc t'inquiète pas, ça va absolument rien changer à mon rythme. Ça, il faut des bandages. Mais il est 6h, Aldé. Ouais. Du coup, je vais certainement aller me coucher après ce donjon. Enfin, on verra, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis un arrêt cardiaque. Alors, on va finir ce mec-là. Jeu de rôle papier, j'ai jamais joué. Je pense pas que ça me plaise tant que ça. Oh, dommage. C'est rare qu'il loupe son attaque. C'est très rare. Parfait. Ah, ils veulent stresser Chouchou, les petits bâtards. Thank you.
Ah, je voulais le buter. Ok, il va mourir du saignement. S'il saigne, parfait. Ça le clean en même temps. Parfait. Ça la ramène par ici. Et tu vas mourir du saignement toi aussi. Parfait. Je pense. Ah! Laden with loot are often low on supplies. J'aurais plus besoin de la clé. Et j'aurais plus besoin de ça puisque je vais manger. Pourquoi je peux pas utiliser le merde de merde, ça me fait le truc là. Alors les ossements de chien on le garde pour les combats, pour le combat final. Bon c'est bon, c'est que 900 pièces d'or. Et là c'est le combat. Ah non. D'accord, donc on va dans cette pièce là pour camper. Attention. Oh non, t'es kleptomaniaque? Ok, non, ça va. Trinkets and baubles. Paid for in blood. Alors, il faut que j'aille par ici. Alors là, le but, c'est de buffer les gens avant le combat final. Qu'est-ce qu'on a pour buffer les gens? On va utiliser ça pour l'embuscade nocturne. C'est quoi ça? Plus 15% de prod, plus 15% de max HP. C'est pas mal. Ah, c'est que pour les trucs range. Et on sert pas les trucs range avec Kotei. Faudra changer cette compétence. Ok, bon, j'ai vraiment pas des superbes compétences de campement. On peut juste déstresser Chocho, hein, je vois que ça. On peut utiliser ça également pour bien le buffer. Et réduire son stress pour les futures batailles. Ouais, bon, pas ouf. What? Ah, mais oui, c'est à cause du Shieldbreaker. Il peut faire pop des combats qui lui sont propres. Ah, voilà qui fout la merde. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique. Et en plus, je viens de balancer mes antivenins. Bah ça... Bon, après, j'aurai de la nourriture, après. Ah, la riposte d'activer. Poste, ça va, je la dodge. Ok, ils ont tous le bleed. Oh. C'est pas dégueu les mobs qu'il invoque, putain. Il a pris trop cher mon côté à cause de ça. J'espère que c'est rentable. Ah, au moins j'ai un peu de ressources, ça va. À quoi ça sert? Oh, pas mal. Non, c'est pas si mal avant un combat de boss. C'est un truc qui permet de bloquer les prochains coups. Et un artefact que je peux stocker. Bon, ça va. C'est pas si mal. J'ai pas d'herbe pour la carcasse. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption.
Allez, je vais aller par là. A marvel of technology. An engine of destruction. Donc là, c'est le fameux canon. Le fameux boss. Lui, c'est le mec qui peut allumer la poudre. Donc j'imagine qu'on veut pas qu'il allume la poudre. Ah. Bah oui, ce serait trop facile. Oh, c'est déjà bien. Et en plus, ça les force à avancer. Non, c'est déjà excellent même. Il est esquivé. Ok, il saigne. Parfait. Donc le canon, s'il est tout seul. D'accord, il peut appeler des mecs. Mais s'il n'y a pas de mec, il n'y a personne pour l'allumer. Dommage. Aïe aïe aïe, il faut toucher là. Oh, il a mis le boum boum. Oh oh. Oh oh oh. Nice. Ah, il va encore se rendre. Ah non, ça va, c'est pas forcément des mecs comme ça qu'il invoque. 80% de chance de le toucher. Let's go. L'os du chien, exact, il est temps de lui donner ses... J'oublie à chaque fois. Oh, la chance que j'ai. Tiens, on va taper ça. Mange ton os. Bah, tue-le, hein. Bon, après, le boss, c'est que dans sa version niveau 1, donc forcément, c'est sa version la plus faible. Mais il m'a pas l'air spécialement dur à affronter, honnêtement. Faut juste avoir des héros qui sont capables de taper partout. Allez, on va le tuer. Mort ! Mort le canon ! Elles sont violentes, ces dents, hein. 8 dégâts sur des crocs de chien. Elle en fait pop 2 là. Parfait. On le laisse pas jouer lui. Parfait. Il se fait humilier ce canon pour le moment. Nice, il va mourir prochain tour. Je vais réactiver la riposte, on sait jamais. On a juste fait pop 1. On va tout de suite l'annihiler. Il lui reste 1 HP. Je dodge tout, je crie tout le temps. Allez, on va même prendre le temps de le buter lui. Lion lit. Tiens, tiens. Et bah c'est Wins. Sacré moule que j'ai eu là tout de même, hein. Gips était très puissant pendant ce combat.
Il m'aura fait pas mal de ressources en plus. Je commence à avoir une forteresse vraiment bien avancée. Enfin, un campement, un village. Oh. T'es un choker, Shodaim? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Alors, Shodaim, faut qu'il aille se détendre. Va te fouetter. Va te fouetter, ça te fera du bien. Ah. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, les améliorations. Alors, pour ça, il me faut plein de ça. Est-ce qu'on en profitera? On n'en profiterait pas, pardon, pour le temps de réatteindre, d'atteindre ça. Ça va prendre trop de temps. Oups. Je suis en stream, bro. Putain, il m'a fait trop peur. Ça va, bro? J'ai lancé à 2h du mat. Ouais, j'arrivais pas à dormir, du coup j'ai fait un live. Et ouais, mon Ray. Merci, bro. Putain, il m'a fait peur, j'étais en plein dans l'ambiance Darkest Dungeon, y'a un mec qui sort, qui pop de nulle part. Ça va stresser. Alors, ouais. Tiens. Allez, ça c'est à fond. Il m'a fait plus 15 de stress. Tu sais quoi? Il y aura des trucs de campement à changer aussi. Tu sais quoi? J'ai envie d'acheter. 3, c'est assez. Yes! Parfait, j'ai plus de ressources, c'est parfait. Bien amélioré mon petit bail. Bon, les amis, hein, il est 6h20. Je pense que j'avais dit que je pensais que j'arrêtais après ce donjon là. Là, je sens vraiment que j'ai les yeux qui piquent. C'est parfait, la température est parfaite. Je vais aller dormir. Je vais aller dormir et me réveiller vers midi et demi, je pense. Je dors pas beaucoup en ce moment. 6 heures de sommeil, ça me va totalement en ce moment. Je sais pas, je dors peu. Et demain, je lance dans l'après-midi. Entre 15h30 et 16h, je pense. Voilà. Je sais pas ce que je ferai. Au final, ça va rien changer au rythme du stream, les gars, donc vous inquiétez pas. Au rythme du stream classique. Et bah si je suis dans le mood, bah demain soir, enfin demain dans la nuit, on remet ça. Voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi les gens, c'était marrant ce sneaky nocturne. C'est la première fois que je fais ça depuis le retour. Enfin bref, tchuss, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je sais pas du tout en fonction de l'heure qu'il est ce que vous faites. Donc bonne nuit ou bonne journée. Ou bonne fin de cuite en fonction de ce que vous avez fait. Vas-y les gens. À tout à l'heure, je vous dis pas à demain parce qu'il est 6h du mat. À cet après-midi les gens, tchuss.